Ici donc nous retrouvons Figaro avec Gégé le mannequin. Hop. Il voit son copain Django qui passe par là. On va le retrouver donc sur le parcours de maniabilité donc installé dans le rond de longe. Donc une des premières fois que Figaro a le mannequin sur le dos. Là, on voit qu'il est complètement détendu. Il suffit de faire quelques pas donc en marchant. Voilà avec le mannequin. Et ça se passe très très bien. Ok, on peut y aller sur le parcours, Mélisse. Voilà ici sur un petit slalom. Voilà, pour veiller à ce que le cheval soit bien connecté avec nous, ce qui n'est pas forcément le cas sur ce slalom. Hop là, puisqu'il s'est déconcentré, regardez un petit peu Django. Voilà, mais c'est un poulain de 2 ans simplement. Et on voit qu'il est complètement détendu. C'est un cheval qui a un très très bon caractère. Très facile. Hein. Un passage sur la bâche. Hein. Tranquillement. Ici sur la palette. Voilà, très bien. Voilà, super. Maintenant on va le voir passer dans les pneus. Voilà, très bien, c'est un stress pour Figaro. Il fait ça vraiment tranquillement. Le test du pulvérisateur. Voilà, très bien. Le cheval qui reste complètement stoïque. Voilà, on est maintenant avec le ballon. Aucun souci donc pour Figaro qui n'a aucune crainte donc vis-à-vis du ballon. Voilà, il a appris à venir sentir ce qui potentiellement peut lui faire peur. Voilà, aucun souci. Voilà, ça se passe vraiment sans problème. Okay. Mélisse à présent, on va lui montrer l'autre ballon. Voilà, on voit le cheval qui est complètement sous le contrôle de Mélisse puisqu'il ne bouge pas ses pieds dans le temps qu'elle ne lui a pas demandé. Voilà, cheval qui est plutôt joueur, qui cherche à attraper le ballon. Aucun souci. Très bien. Tu peux le faire rebondir autour de lui si tu veux, Mélisse. On voit Figaro qui est vraiment un cheval très très bien dans sa tête, très à l'écoute et avec un excellent caractère, avec très peu d'émotivité. C'est un cheval qui est très peu émotif. Voilà, et curieux. On voit qu'il n'a pas des yeux de ce que lui demande Mélisse. Très attentif à ce qu'elle lui demande. Voilà un bon début. Et voilà pour Figaro sur le parcours de désensibilisation.